Bienvenue à Oran, en Algérie. Une ville, un pays que je voulais voir depuis longtemps. J'ai enfin eu le visa. Ça a été difficile. Mais au final, il est en poche et me voilà dans les rues d'Oran, en train de me balader pour voir un peu l'ambiance. Je suis en plein dans le quartier historique d'Oran. Je vais m'orienter ensuite vers la place du 1er novembre. Ensuite, j'aimerais bien monter sur voir Santa Cruz en téléphérique. Puis me balader sur le front de mer avec une belle vue sur la Méditerranée. On est le 18 septembre. Il fait encore très doux à Oran. Et il n'y a pas les 40 degrés qu'il y a eu au mois de juillet-août. Mais on se croirait encore en été. Hein. J'avais vu plein de témoignages comme quoi les Algériens étaient super accueillants. Et je le constate par moi-même. Mais à noter que la caméra n'est pas le bienvenu. J'essaye d'être discret en filmant, même si c'est pas toujours évident. Ça, c'est la cathédrale Sacré-Cœur. Elle est magnifique. Elle a plus de 100 ans, construite par les Français. Elle est ouverte aux visiteurs gratuitement. Disco Maghreb, les amateurs de rail connaissent forcément cette boutique. Chaque fois que vous passez par ici, il y a des gens qui se prennent en photo. Une photo souvenir pour moi aussi. Dans les années 80, il y a eu pas mal de chanteurs célèbres qui sont passés par ici, comme Cheb Mami, Cheb Hasni, Cheb Khaled. C'est un lieu qui avait été déserté pendant des années, oublié. Un célèbre DJ Snake, qui a fait un clip ici et ça a fait revenir les visiteurs. Voilà une rue où passe la ligne de tramway avec lequel on peut traverser toute la ville. Un tramway assez moderne, récent. Au bout de cette avenue, il y a la principale place de la ville, la place du 1er novembre. C'est le cœur historique de la ville. À ma droite, un des plus célèbres hôtels de la ville, le Royal Hotel. Il y a même un restaurant gastronomique. Les Algériens ne boivent pas que du thé à la menthe. Ce sont aussi des grands buveurs de café. Voici la place du 1er novembre. C'est la place la plus fréquentée. Tous les 1er novembre, il y a un rassemblement, un défilé pour fêter l'indépendance. À droite, il y a l'hôtel de ville avec les deux lions en bronze. Les visiteurs aiment se photographier devant. Une jolie place avec de la verdure, des palmiers, beaucoup d'espace. Contrairement aux pays voisins comme la Tunisie ou le Maroc, on va croiser ici des touristes locaux. Pas trop d'étrangers. L'avantage qu'il y ait moins de touristes, c'est que les gens sont plus accueillants, plus attentionnés envers vous, et il y a surtout moins d'arnaques. Et un autre gros avantage ici, c'est que pratiquement tout le monde parle le français.
Les contacts sont très faciles, très enrichissants. Même si l'Algérie n'a pas trop développé le tourisme, il y a plusieurs avantages de venir visiter le pays. Déjà, il y a le climat, il fait beau tout le temps. Il y a la mer avec de belles plages naturelles. Aussi la cuisine algérienne, on mange très bien. Des plats comme le tagine ou le couscous, pour les plus connus. Et plein d'autres spécialités que l'on peut retrouver dans les petits restaurants de rue, pour vraiment pas cher. Un grand choix de pâtisserie orientale. Moi, mes préférés personnellement, c'est les makroutes avec une pâte d'amande à l'intérieur. Ici, je me suis bien régalé. Une Peugeot 505 qui est en train de passer. La voiture que possédait mon père dans les années 80. En France, elles ont totalement disparu de la circulation. L'appel à la prière de la mosquée du Pacha, une célèbre mosquée qui date du 18e siècle. En face, un des nombreux immeubles de type haussmannien de la ville, construit à l'époque française. C'est d'ailleurs le surnom de Oran, le petit Paris. De beaux immeubles avec des façades blanches en pierre taillée qui ne dépassent jamais 6 étages. L'homme avec le gilet orange, c'est un gardien de parking. Ça existe aussi au Maroc. Son rôle, c'est d'orienter les automobilistes vers des places libres. Et ensuite, il fait de la surveillance contre une petite pièce. Thank you.
C'est la rue qui mène au téléphérique pour monter au fort Santa Cruz, un fort construit par les Espagnols au XVIe siècle. Là-haut, il y a une superbe vue sur la ville d'Oran. Une fois arrivé par téléphérique au sommet, s'il n'y a pas trop de nuages, vous avez une superbe vue. J'aime bien me promener sur cette avenue, c'est le front de mer avec une vue panoramique sur le port maritime et sur la mer Méditerranée. C'est l'artère la plus célèbre qui va longer le centre historique d'est en ouest. Oran est une très belle ville avec un grand potentiel. Et je suis sûr qu'avec un peu d'investissement, ça peut devenir une grande destination touristique.